pour ce volume 5, Damien. Salut. Damien a 26 ans, il fait du cinéma et il écrit de la poésie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quel cheminement d'internet t'a mené jusqu'au forum d'écriture, Damien? Quel cheminement? Alors, j'ai commencé à... Ça a été sous plusieurs formes. Je pense que j'ai d'abord commencé à écrire... Alors, la première fois que j'ai écrit, je pense que c'est comme tout le monde, collège, à l'école, j'ai fait une rédaction. Et j'aimais bien écrire des petites histoires pour faire marrer mes camarades et mes profs. Du coup, c'était beaucoup d'histoires un peu humoristiques au début. Ça, c'est quand t'étais collégien, lycéen? Ouais, cinquième, ouais. Quatrième. Et après, j'ai commencé en quatrième à jouer à ce qu'on appelait à l'époque, ça existe toujours, je crois, les forums RPG sur Internet. Comme t'es dit, en fait, tu viens du RPG. Ouais, moi, j'étais sur un forum Naruto, le manga de ninja, là. Et en fait, sur ces forums, tu dois... le principe, c'est comme Donjons et Dragons. Comme Donjons et Dragons, tu te dis ce que tu fais. Et du coup, comme tu es sur Internet, bah, tu te dis par l'interface d'un forum. Et c'est que là... Et par l'écriture. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à écrire de manière extrascolaire, en tout cas. Ok. Et tu te rappelles ce que tu incarnais comme personnage ou... Ah ouais, un ninja. Un ninja. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à écrire avec ça des petites histoires, parce qu'en fait sur les forums RPG, parfois tu narrais des petites histoires, des petites aventures, quoi, ton personnage, avec d'autres aussi, pas. Et alors, franchement, le bond vers la poésie, je sais plus comment il s'est fait, peut-être par un, je crois à un moment j'ai écrit un texte de rap, je pense, c'est passé par le rap. Au début j'écrivais des textes de rap ou de hip-hop. Mais quand t'écrivais des textes de rap ou de hip-hop, c'était purement, enfin, de manière solitaire ou tu... Ouais, c'était de manière solitaire. Et à un moment, je pense qu'il y a eu un truc un peu de l'ordre de vouloir peut-être être différent, sortir sa carte, comme on dit, pour draguer les filles. Et je crois que j'ai dû écrire mes premiers poèmes, ouais, un peu dans ce truc-là de vas-y, un peu comme tu vois le mec qui veut jouer de la guitare au bord d'une plage. D'accord, est-ce que c'était un peu... efficace? Enfin, tu envoyais tes poèmes Je crois que j'avais posté mes poèmes sur Facebook et franchement, ça marchait pas si mal que ça. Alors, c'était nul. Et après, je les avais postés sur Écrire en herbe. Donc, le premier forum que tu aies fréquenté? Ouais. D'écriture, je veux dire. D'écriture, ouais. Et là, je m'étais fait dégommer. Je m'étais fait vraiment dégommer. Et après, j'ai arrêté d'écrire et je suis pas revenu pendant 3 ans. C'était en quelle année, tu sais, ça? Ouais, j'étais en seconde. Ok. Et là, j'ai arrêté pendant 2 ans. 2010, à peu près, un truc comme ça. Et après, j'étais allé en prépa. Et en prépa, j'étais assez malheureux, ça allait pas trop bien dans ma vie. Et il y a eu un moment, du coup, il fallait que ça prenne un... J'avais des choses à dire, quoi, de ce mal-être. Et du coup, il fallait que ça trouve un exutoire, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à réécrire de la poésie. Ok. Et que je suis revenu sur écrire en arbre à ce moment-là. Toujours sous le même compte ou... Je sais plus si j'en ai recréé un sous le même compte. Là, franchement, je sais plus. Donc, vers 2013, quand t'étais en terminale ou... Non, j'étais en prépa. D'accord. Donc, ok. Et du coup, à ce moment-là, quand tu es arrivé sur Écrivain en herbe, tu écrivais de la poésie, mais t'avais des sources d'inspiration précises? Non, j'avais rien lu. Et c'est en fait pendant... Il y a eu l'été de la prépa. Où là, pendant 2 mois, je faisais rien. Sinon, je travaillais à MMA. Et je me rappelle, en fait, je travaillais à MMA. Et du coup, tous les matins, j'étais là à 9h du matin au bureau à pas avoir grand-chose à faire. Du coup, j'allais sur le forum parce que c'était le seul site auquel j'avais accès dans les bureaux de MMA. Facebook, tu pouvais pas y aller, c'était bloqué. Ah, du coup, Écrire en herbe, c'est le seul site où je pouvais aller, c'était pas bloqué.
Et du coup, tous les matins de 9h à 17h, j'étais sur la chatbox d'Escrivain Nerd. 9h à 17h, c'est pas juste le matin, ça, c'est toute la journée. Ouais, c'est toute la journée. Mais je veux dire, et c'est là que, en fait, il y a un matin, je suis arrivé à 9h, il n'y avait personne, tu vois, pendant les vacances à 9h. Sauf Mahamad, enfin Ziz, qui était sur le forum. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et que, en fait, je venais de poster un poème que j'avais écrit à ce moment-là dans le bus, qui était tout pourri. Et qui me disait d'ailleurs, bah, ton poème il est tout pourri. Mais... Et on s'est rencontrés là, et puis après on est devenus potes. D'accord, donc en 10, t'as dit que ton poème était tout pourri, toi ça t'a provoqué quoi en toi? T'as eu envie d'écrire mieux? Non, j'ai dit c'est qui ce bâtard d'abord. Après je suis allé le voir, je me suis dit putain, il écrit bien. Du coup je l'ai retraité de bâtard. Bâtard, t'écris trop bien. Ouais, c'est ça, je me suis dit, ouais, j'étais vraiment impressionné, je me rappelle, j'étais vraiment très très impressionné par ce qu'il écrivait. Et en fait, c'était la première personne, je pense, que j'avais dû. Parce qu'en fait, j'avais lu personne. Hein. C'était Sauvage qui est arrivé juste pour mettre son poème et qui avait lu personne. Bon, et donc, c'était la première personne que j'avais lue qui m'avait très impressionné. Et du coup, bah, je dirais que moi, je m'étais un peu positionné en. Enfin, tu vois, je vous l'écoute, ce type, en fait, il est intelligent. Il a des. Enfin, il a des choses. Enfin, je me mettais en position d'écoute, quoi, pour. Espérer un jour écrire à son niveau. Et puis je sais pas, bah, tous les deux on avait rien à foutre de notre journée, donc on a commencé à parler. Par la médiation du forum au départ. Ouais, par la chatbox. Ouais, ouais. Et il t'a donné des conseils de lecture? Ouais, alors ça je pense que ça arrivait plus tard. À un moment, je crois que c'est moi qui lui ai demandé, mais oui, du coup, enfin, quel conseil m'avait demandé, c'est ça que tu m'avais demandé? À quel moment t'as commencé à lire de la poésie? Ah, d'autres poésies qu'en dehors du forum, ouais. Donc au début, voilà, c'était d'abord, je lisais les gens du forum. Donc pendant longtemps, ça a juste été les gens du forum. Donc c'était écrivain en air, bah, c'était... Écrivain en air, ouais. Du coup, il y avait... Enfin, ouais... et après, le premier livre de poésie que j'ai acheté, je me rappelle, c'est du coup, je sortais du boulot, Saint-Lazare, je vais à la FNAC, et c'était La nuit remue de Michaud. Ah ouais? Ouais. Premier livre que je lis et que j'achète, et c'était bien. C'est le premier bouquin de poésie que j'ai lu aussi. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, t'as été influencé par Michaud ou... Je pense que ça me paraissait trop dur pour... Enfin, tu vois, c'était trop loin dans... C'est comme si... Ouais, bah, du coup, on a tous fait un peu... Enfin, bon, on est beaucoup à avoir fait un peu de musique, tu commences à faire de la guitare, tu te dis pas, vas-y, je vais jouer du Pink Floyd direct, quoi. Tu joues plutôt Oasis, enfin, tu vois. Donc je me dis, ouais, c'est génial, mais ça n'a pas influencé mon écriture, c'était trop loin. Et du coup, tu dirais que tes premières influences à ce moment-là et dans les mois qui ont suivi, c'était qui? Vraiment, c'était les écritures du forum qui m'influençaient. Il y avait des écritures qui se... justement qui... Ah bah au début, je... Ouais, au début, je recopie 6, quoi. Franchement, enfin, j'essaie un peu de faire comme lui. Comment tu décrirais sa poésie de l'époque? Il y a longtemps. Je me rappelle juste, toi, un peu l'avoir copié, quoi. Mais bah, quelque chose d'un peu sec. Et avec, il y avait, je me rappelle, il y avait cette image de couteau qui venait trancher quelque chose. Je me dis, ah, c'est cool, moi aussi je vais trancher des trucs. Donc j'essaye d'être un couteau. Mais je tranchais pas grand chose. Et comment ça se traduisait au niveau formel, le fait d'être un couteau étranger? Waouh, alors là, attends, c'était il y a longtemps, plus de travail. Non, c'était des petits poèmes, c'était court. Bon, souvent ça se voulait un peu, mais c'était nul, hein, de toute façon, qu'on soit d'accord, c'était nul. Mais ça se voulait un peu philo, un peu. Un peu ce que je pensais, quoi, mais c'était pas très très réussi. Il n'y avait pas beaucoup d'images, je crois pas qu'il y avait beaucoup d'images. Non,
Non, mes débuts ont été longtemps laborieux pour plein de raisons. Je parlais pas très bien français. Et c'est aussi pour ça que la poésie me plaisait beaucoup, parce qu'il y avait quelque chose à reconquérir dans la langue. Ça me plaisait de pouvoir ouais, te buter contre tes limites et à chaque fois en fait creuser plus loin, découvrir que ça n'en était pas vraiment une, même si au bout, on a tous des limites, mais il y avait cette sensation-là que ça pouvait être un travail infini, qu'on pouvait toujours s'améliorer, 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 s'améliorer. Et je partais tellement loin. Je partais tellement... Parce que souvent, il y a des gens qui disent que leurs premiers poèmes sont immontrables. Et Clément, je dis non, franchement, c'est pas mal. Non, non, moi, je partais vraiment de très, 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 très loin. Il y avait des gens, il y avait plein de gens qui m'impressionnaient. J'avais envie de leur ressembler. Et aujourd'hui, du coup, que 7 ans ont passé, tu dirais que tu, par rapport aux autres, tu te positionnes comment? Comment est-ce que ton écriture a évolué? Ouais, alors aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Comment je me positionne aux autres gens du forum? Oui. Est-ce que tu as toujours cette impression de partir de loin et de... Alors, j'ai toujours cette impression de ne pas parler français. Mais je le vis mieux qu'avant. Enfin, c'est pas très grave. Et après, enfin, c'est tellement. Comme tous les gens sont devenus mes amis, je pense qu'avant c'était quand même quelque chose de plus lointain. Par exemple, comme tu dis, on ne se parlait pas tellement. Donc il y a plus cette sensation quand même d'être à l'intérieur d'une famille, d'être en sécurité. Et ce qui, paradoxalement, pour la création, moi je trouve qu'il y a un frein. Ah oui. Parfois, j'aimerais bien être un peu plus bousculé, je pense. Bousculé par tes lecteurs. Ouais. Tu veux dire des gens qui te disent Ouais, frontalement ouais, ouais, ce ouais. qui ne va plus pas ou... Ce qui leur plaise pas, ou ce qui. Enfin, ce ne va pas. Ça peut juste ne pas nous plaire, quoi, mais. Qu'ils aient des avis plus francs et qu'on soit plus bousculé dans nos choix, dans pourquoi on a fait ça. Et ouais, qu'on te pousse vers tes retranchements Et pour aller plus loin. ça, du coup, aujourd'hui, parce que la communauté est trop liée, à ton avis, ça n'arrive plus. J'ai l'impression. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on a quand même des vrais avis, des vrais commentaires. Il y a des gens qui prennent un temps incroyable pour des commentaires et des très beaux commentaires. Je sens qu'il y a toujours ce truc dont on prend un peu des pincettes, quoi. On veut surtout pas blesser la personne parce que c'est notre ami. Avant, franchement, quand j'avais 17 ans, on y allait comme des gueux, hein. C'était violent. Hein. Ouais. Et moi, cette violence, elle m'a fait vachement progresser, je pense. T'avais besoin en fait d'être bousculé pour... Ah ouais, bah sinon j'aurais continué à écrire les trois poèmes de merde. Ouais, ça m'a fait. Ça... C'est ce qui m'a fait. Bah, du coup, c'est ce qui a fait que je suis allé lire de la poésie en livre. C'est ce qui a fait que j'ai travaillé l'écriture. Et du coup, qu'est-ce que tu as lu pour travailler l'écriture? Un peu tout. Mais tu dirais que quels poètes sont tes grosses influences et qui vraiment ont changé quelque chose dans ton rapport à Mon l'écrit? rapport à l'écriture. Ouais. Alors, il y a eu les poètes qui arrivent juste parce que c'était les premiers poètes que tu découvres, ou poétesses. Et je pense ça que tout, pour les premières poésies qu'on découvre et qui nous font quelque chose, parce que bon, il y a beaucoup d'auteurs qu'on découvre qui nous font rien, mais les premiers poètes ou poétesses qu'on découvre qui nous font quelque chose, ils ont quelque chose en nous qui peut pas être égalé, je crois.
Donc ce que je veux dire là, je pense que vraiment c'est lié aussi à la temporalité de découverte. Mais il y a eu Michaud. Michaud, tout de suite, ça a été quand même quelque chose d'important. Il y a eu Pessoa. Pessoa, ça a été une grande, grande, grande rencontre. Surtout que je projetais beaucoup aussi du... Je sais que c'était un poète très important pour Ziz. Et moi, je transposais beaucoup de lui sur Pessoa et inversement. Enfin, il y avait comme ça un dialogue entre les deux assez fort. Tu l'avais découvert par le biais de Mahamad, du coup ? Ouais, c'est lui qui m'avait conseillé de lire ça. Et toi, quand tu m'avais fait lire Rilke, ça m'avait fait vraiment quelque chose aussi. Et après, moi, il y a eu ma découverte personnelle qui a été importante. Parce que pendant longtemps, en fait, je lisais des choses que les gens me disaient « Ah, lis ça, ça va être trop cool » et tout. Et je pense qu'il y a aussi les rencontres que tu fais toi aussi un peu par hasard et qui éclairent aussi l'importance du coup parce que ça arrive comme ça un peu par hasard. Et moi, ça avait été du coup avec Pavézé. Qui avait été très important. Et après, plus tard, là, ça en fait beaucoup. Hein, mais, parce que du coup, aussi, longtemps, j'ai vu que des hommes. Et du coup, les poétesses. Voilà, et donc elles sont arrivées plus tard, et notamment grâce à toi et Charlotte. Et moi, je pense que celle qui m'avait mis une plus grosse claque, c'était Pizarnik. Elle m'a adoré. Par son journal, par ses poèmes ? Non, j'aime pas son journal. Ah oui ? Non, okay. Ouais. Je sais plus si c'est avec toi ou Charlotte que je suis en désaccord sur elle. Moi, vraiment, c'est ses poèmes. Moi, j'aime pas du tout ses poèmes. Mais voilà, ok, c'était toi. Moi, vraiment, c'est ses poèmes. Ok. Ouais. Ok. On va essayer de reprendre un petit peu le fil des questions. Quel est ton rapport au collectif dans l'écriture ? Et du coup, au fait d'être inséré dans une communauté d'écrivains ? Forcément tu évolues avec d'autres personnes en même temps et leur regard a énormément d'influence sur ton écriture. Moi, je me rappelle quand j'étais très plus jeune il y avait des personnes référente dans ma tête qui, si elle disait que c'était pas bien, c'était pas bien. Aujourd'hui, je ne penserais plus forcément ça. Je vois que, en tout cas, j'ai avec une autre assez de maturité sur mon écriture pour me dire que. Enfin, je vois bien qu'il y a des choses qui me plaisent, qui ne plaisent pas à d'autres. Et du coup, je relativise un peu plus le regard des autres, en tout cas. Il a encore une énorme importance. Et par exemple, si... Bon, ça arrive pas souvent, parce que quand le texte fait un bide, souvent, tu sais toi aussi qu'il n'était pas ouf. Mais ça arrivait une ou deux fois où franchement, je pensais qu'il était pas mal. Et ça a fait un bide. Un bide parce que t'as eu zéro commentaire, ouais. Ou un bide parce que les gens t'ont dit que c'était nul. Zéro commentaire. Mais on sait tous que zéro commentaire, ça veut dire que c'est un bide. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors, bon, c'est pas forcément un bide, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Et par exemple, le dernier de tes poèmes qui a reçu énormément de commentaires, le poème sur les enfants dont les parents meurent, etc. Le poème collapsologiste. Ah oui, oui. Attends, non, c'est... Celui dont j'ai fait un poème. Ah oui. Est-ce que... Tu t'étais dit en l'écrivant, waouh, c'est un bon poème, et du coup, est-ce que là. Ouais, je l'avais senti. Tu l'avais senti, ok. Ouais. Alors, je ne m'étais pas dit forcément qu'il allait parler autant de gens, mais il me plaisait en tout cas. Écrire sur Internet, est-ce que ça change quelque chose pour toi par rapport à une écriture qui serait strictement enclose sur le papier ou... Alors moi j'écris énormément d'abord
Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur le forum qui écrivent sur le petit carré là, du forum. Moi, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon cas. Tu l'as jamais fait? Non, jamais fait. Alors, déjà, premièrement, parce que je fais beaucoup de fautes, du coup, il me faut Word pour qu'il corrige les fautes. Et aussi parce que, en fait, le plus souvent, j'écris à l'écrit. Enfin, à la main. Avant, j'écrivais sur ordi, mais j'ai remarqué. Il y a eu une fois, en fait, où j'étais bloqué sur un poème. Et passer à la main, ça m'a débloqué. Et depuis, j'ai plus tendance à écrire à la main, maintenant. Okay. Ça me... Si c'est de la prose, c'est sûr que j'ai écrit à la main. Parfois, quand c'est en vers, pour la forme, s'il y a un travail dans la forme, là, ça va... je vais plus passer par l'ordinateur pour voir en temps réel un peu ce qui se passe. Ouais, comment ça s'organise dans l'espace. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, c'est rien qu'en parler aussi de... Qu'elle avait besoin de voir sur le document Word. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que, ouais, parce que l'écrit, tu ratures, tu machin, et en fait, à la fin, ça va faire ton machin, il ressemble à rien, quoi. Mm. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je rature énormément, je rature vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai écrit comme un escargot, presque tous les deux mots, je rature, je reviens en arrière. Ouais. Et il y a une chose qui m'étonne dans ce que tu me dis, c'est que bah, toi, tu fais du cinéma, du coup, tu montes beaucoup, ouais. Et quand tu fais du montage, c'est à l'ordinateur, ouais. Avec les logiciels d'édition. Ouais. Et tu m'avais dit une fois que pour toi, l'écriture poétique et versifiée était assez proche du montage cinématographique. Ouais. En tout cas, mais du coup, je m'étais toujours imaginé que tu écrivais à l'ordinateur parce que pour moi, il y avait l'analogie qui était... Ouais. Oui, c'est rigolo parce que, alors pour le coup, je pense que monter à la main, j'en serais incapable. Couper la bande. Ouais, non, ça me paraît trop long, trop fastidieux. Et oui, pour l'écrit, c'est peut-être plus proche aussi à la main. Peut-être dans un crayon, une feuille, je sais pas. Non, mais ça va, j'ai écrit les deux, j'ai écrit à l'ordinateur et à la main. Mm. En fait, si je suis sur l'ordinateur, j'écris à l'ordinateur. Si je suis dehors, j'écris à la main. Ok. Et donc, tu dirais qu'il n'y a pas de différence entre écrire sur Internet et écrire... Je dis pas qu'il n'y en a pas... moi, il n'y en a pas parce que pour le coup, je passe pas par le. Enfin, c'est sûr, si tu passes par le forum pour écrire, bah forcément, déjà, tu es dans le cadre du forum, enfin, dans le cadre de la petite vignette. Moi, comme d'abord les textes s'écrivent sur papier et après juste les recopies sur le forum, je ne crois pas qu'il y ait une incidence entre ce que je crois et ce qui se passe, encore une autre question. C'est sûr, il y a l'incidence des regards, il y a l'incidence énorme de ce qui se fait sur le forum. Ça, pour moi, c'est la plus grosse incidence du forum. C'est pas la forme de cases qu'on poste sur machin, mais c'est plus ce qui est produit et ce que toi, ça provoque en toi et des désirs de réponse ou non. T'as eu ça dernièrement sur Jeune Écrivain, des choses qui t'ont fait réagir, qui t'ont donné des... Ouais, bah moi ça m'influence énormément. Il y a tout un texte que... Enfin, tout un topic, voilà, c'est ça le mot. Tout un topic que j'avais écrit en réponse au sujet des amants de Jasmin. Et un autre topic que j'avais... C'était le... Comment tu l'avais appelé ce truc ? Tyrannie du pénis. La tyrannie du pénis. Ouais, qui était... Enfin, Réponse spacement, mais en tout cas, ça m'a provoqué ce désir chez moi. Et c'est vraiment la lecture de... Enfin, je dis Jasmin, mais après, il y avait eu d'autres textes. Il y avait eu Charlotte, il y avait eu toi. Enfin, voilà, enfin, c'était passé à ce moment-là, quoi. Et pour le topic, par exemple, du texte autour de... Ça s'appelle Ziz, sur le forum. Alors, c'est quelque chose qui commence à mûrir, mais vite fait. Mais ce qui a vraiment provoqué, en tout cas, l'envie, c'était Perdre Claire de Camille. Ok, donc un topic de deuil. Ouais. Et ok. Oui, il y a eu comme un électrochoc. Mais c'est comme, je crois, tous les poèmes s'écrivent comme ça. Enfin, moi, tous les poèmes sont des réponses.
je crée jamais, enfin ça m'est, c'est très très rare d'écrire comme ça un texte. C'est souvent j'ai lu un texte, un poème qui m'a plu avant et. Et donc c'est souvent le texte du forum. Parfois c'est du forum, parfois non, parfois ça va être des poèmes de livres. Mais c'est souvent en tout cas en réaction à un texte. Ok. Ouais. Ça, moi je pense plus ça. Quelle image mentale te fais-tu du forum? Le forum. Je me fais pas d'image mentale en fait du forum. Pour moi, le forum c'est presque l'opposé d'un lieu. Donc, ce qui est sûr, c'est que toute la matrice internet, lignes de code, même images qui sont sur la structure, tout ça est assez. C'est un peu invisible et c'est cette sensation d'être à chaque fois dans ce lieu que les poèmes ou les récits décrivent un peu quoi. Du coup chaque texte me projette dans son lieu et la somme de ces lieux fait peut-être le lieu du lieu. Donc le support purement technique pour toi, il est transparent, il n'existe pas vraiment. Ouais, mais s'il faut, il existe. Mais, oui, non, mais bien sûr, mais dans ta représentation, dans mon vécu, ouais. Et donc il y a une somme de poèmes, mais du coup, qui est la somme de tes propres lectures et pas de tous les textes postés sur le forum. Ah oui, complètement. Il y a des parties forum, mais c'est pour moi, elles n'existent pas. Quoi. J'ai jamais foutu les pieds dans un roman, jamais foutu les pieds dans une nouvelle. Moi, le forum, dans ma. C'est juste poésie, mais c'est l'année. Enfin, j'en ai que cette utilisation. Non, j'y vais plus non plus. Tu vas plus non plus. Donc, c'est vraiment les textes aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment que les textes. Ok. Et du coup, puisqu'en fait, maintenant, ça commence à faire un certain nombre d'années que tu écris sur les forums, est-ce que pour toi, la publication de tes poèmes sur le forum, t'as un blog aussi? J'avais un blog pour qui servait vraiment juste de savoir qu'ils étaient là, dans le sens où c'était ma manière de les sauvegarder. Ouais, c'est une archive. Ouais, une deuxième sauvegarde par rapport au forum, si jamais ils crachaient ou inversement. Ouais. Ça a sauvegardé tes textes dans deux endroits différents. Voilà, c'est ça. Mais ça allait vraiment pas au-delà de ça, le blog. D'ailleurs, il est pété, quoi. C'est vraiment, il y a juste les textes. Et alors, au début, c'était ça, mais là, ça fait très très longtemps que j'ai pas posté un truc. Donc, ce qui est assez bien, en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à organiser les textes autour de grands thèmes, donc Tyrannie du pénis et Ziz, et ben là, j'ai arrêté de poster sur le blog parce que je voyais pas comment faire pour organiser ces textes. Mmh. Comme ouais, il fallait qu'ils soient ensemble. En fait, tu aurais plutôt besoin d'un site. Un site où tu pourrais ouais, dans ce cas-là, ouais. Mais flemme. Oui. Donc, je veux juste. Je sais pas faire. Et c'est intéressant parce que tu regroupes ce qu'avait dit Oriane dans son propre épisode de l'heure du thé. Elle expliquait qu'en fait, de plus en plus, elle avait une logique de recueil sur jeune écrivain. Et tout le monde, je crois. Oui, ça fait un ou deux ans, là, je pense que... Avant, c'est vrai qu'avant, les gens avaient juste un topic, ils foutaient tout leur texte. Et c'est vrai que de plus en plus, je remarque que les gens essayent de créer leur petit recueil à l'intérieur du forum et en fait d'organiser leur texte quoi, autour de quelque chose. Je me demande à quel moment ça a pu apparaître. Je sais pas. Parce que c'est massif aujourd'hui, ça l'était moyen. Non, ça, au début, ça n'était pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Mais au début, il n'y avait pas autant de projets thématiques. Là, tu vois énormément de projets thématiques, je trouve. Oui. Avec toutes les écritures du corps. Ouais, du corps, mais enfin, d'autres choses aussi. Puis oui, ce qu'il y a eu autour de Bologna récemment. Oui, par exemple. C'est vrai.
Toi, quels sont tes projets d'écriture en ce moment pour l'avenir? Est-ce que tu en as? Alors, j'écris plus beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Du coup, pour me relancer, j'avais essayé de tenir un petit journal, mais je sais que je ne le tiendrai pas non plus très longtemps. Et t'as commencé quand? J'avais commencé un Et tu le journal. postes pas? Ah Non, parce que j'avais menti, j'ai dit que j'avais posé que des extrêmes, j'avais tout posté du journal. oui. D'accord, parce que moi j'avais l'impression en lisant ton journal qu'on pouvait lire un petit peu entre les fragments, qu'il y avait des choses qui nous étaient cachées et je trouvais ça super intéressant. Alors, pas du tout Ouais. posté. Moi, je suis un gros menteur. Parce que j'avais honte d'avoir si peu écrit dans mon journal. C'était bien déjà. Non, enfin, en fait, c'est quand je dis que j'écris peu, c'est que j'écris peu actuellement en matière de littérature, parce que là, il y a les dossiers de films que j'essaye d'écrire et qui me prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Énormément de temps, Pour avoir les financements. même. Ouais. Et du coup, qui prennent mon énergie, je pense, de. Enfin, quand j'écris pour ça, j'ai plus après envie d'écrire, quoi. Ça... Parce que j'ai écrit, en fait. Enfin, ça... Tu vois, ça a été. Et est-ce que justement tu pourrais nous parler de ce projet de film? Parce que celui que tu as en ce moment, Ouais. juste rapidement, t'es pas obligé, mais parce que justement j'ai l'impression qu'à travers ce projet de film, tu interroges ce que ça peut être la présence numérique. Attends, tu parles duquel? Celui où tu Que t'as interroges. vu les deux. Il y en a deux différents. Oui, mais t'as vu les deux, toi. Le projet, non, le futur. Le futur. Celui pour lequel tu nous avais demandé de d'écrire des témoignages, de D'accord, notre oui, donc rapport au oui, celui autour forum, de la etc. poésie, oui. Voilà. Ok. Non, parce que du coup, lui, il est. Enfin, c'est pas celui, c'est pas l'actuel, c'est plutôt le. Ok. Mais du coup, plutôt Sur un plan celui-là, de parce que temps. j'avais l'impression que tu essayais de retranscrire avec les outils propres au cinéma une expérience Ouais. de présence numérique, en fait, et de présence à la poésie aussi. Ouais. Et bah, c'est la question. C'est la question. Et justement, pour l'instant, je sais pas trop y répondre par les moyens du cinéma. Enfin, il y a ce désir-là. Justement, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, ça fait 2 semaines que je m'étais mis dans l'objectif de filmer des trucs pour parler de ça et que j'ai absolument rien filmé. Il n'y a aucune image qui te semble Pour à même te. l'instant, je suis dans une impasse. Mais parce que aussi j'utilise un outil que j'ai pas encore utilisé et qui me met mal. Enfin, comme c'est la pellicule et qu'il y a aussi des enjeux financiers, que appuyer sur le bouton et que tu sais que ça vaut à la fin les 3 minutes 100 balles, bah, t'appuies pas pareil Non, je n'avais pas le que. même Donc outil. c'est aussi parce que c'est un outil que j'ai jamais utilisé et qui en plus je sais pas trop quoi filmer du coup. Enfin, il y a une cumulation de choses qui ont fait que j'ai rien filmé pour l'instant. Et que, il va falloir que je saute le pas, mais que j'ai pas encore réussi à le sauter. Mais c'est en recherche. Je sais pas trop encore. Je vais passer à la question finale. Ouais. Donc, à ton avis, est-ce que l'expérience des forums d'écriture et plus généralement de l'écriture sur le web est fondatrice d'une nouvelle manière de devenir écrivain? Alors, ce qui est sûr, bon, si écrivain, c'est juste quelqu'un qui écrit, si on part de cette définition, On va partir de là pour l'instant, tu pourras préciser ensuite. ce qui est sûr, pour moi en tout cas, et je pense quand même pour beaucoup de gens, moi je me serais jamais lancé dans la littérature. Sans internet. Parce que je ne me serais pas senti légitime, parce que j'aurais pas en fait tous ces gens qui m'auraient encouragé à écrire et qui m'auraient apporté ce regard en me disant, mais si, c'est intéressant ce que tu racontes. Alors, franchement, au début, c'est sûr, en tout cas, ça ne l'était pas. Enfin,
Ouais, l'écriture, ça n'aurait pas existé. Ça, c'est sûr et certain, sans Internet, ça n'aurait pas existé. Et sans le forum, du coup, parce que c'est pas... Parce que tu parles par les réseaux sociaux, c'est un endroit violent, c'est un endroit... Tu sais pas, c'est pas un endroit où t'as envie de poster ce genre de choses, quoi. Tu penses qu'il y avait une plus grande bienveillance, pardon, sur les forums? Ah bah oui, sur les réseaux très sociaux. vite, enfin... Au début, si je lisais les postés sur Facebook quand j'avais 15 ans, par exemple, à 17 ans, jamais j'aurais posté ça sur Facebook. Mais pourquoi? Parce que c'était des gens que tu connaissais ou... Parce que déjà, c'était à visage découvert. Et dans un... Enfin, ce qui me plaisait, je pense, sur le forum, c'était de poster ça à des gens qui ne me connaissaient pas et que j'allais pas croiser dans la rue demain, quoi. Donc c'était de la grosse, grosse merde. Au pire, c'est pas grave. Je pouvais tranquillement aller chercher mon petit croissant au chocolat. Pain au chocolat, plutôt. Sans que personne... se moque de moi, ouais. Ouf, le poème nul. Ouais. D'accord. Et oui, justement, tout à l'heure, j'essayais d'arriver là, mais je m'étais égarée en cours de route, à ton rapport à la légitimation. Est-ce que tu te sens aujourd'hui poète? Est-ce que tu aurais besoin d'un autre type de validation que celui de la communauté sur le forum? Est-ce que tu l'envisages? Alors, un jour qui est quelque chose qui existe sous forme de papier, je pense que ça me ferait plaisir. Mais alors, pas pour la légitimation, mais juste parce que un livre, je trouve ça beau. Mmh. Je trouve ça vraiment beau. Et de pouvoir juste donner cet objet à des gens, je trouve ça chouette. Mais donc, ce serait pour l'objet, quoi. Voilà, tu pourrais me dire, mais du coup, le livre, tu peux le faire toi-même, c'est vrai. Et pourtant, t'as l'impression que c'est pas un livre si tu le fais toi-même. Non, il y a des bonnes plateformes d'auto-édition. C'est vrai que c'est paradoxal, là, ce que je raconte. Parce que c'est vrai que si je voulais juste faire un livre, je pourrais le faire moi-même. Non, mais qu'il existe indépendamment de moi, quoi. Que ce soit pas que juste ma volonté que ce livre existe. Donc, à la limite, que quelqu'un d'autre fasse ce livre, appel au forum. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se lancer là. Non. Moi, un livre, je trouve ça beau, que ce soit sur papier. Déjà, lire sur papier, c'est autre chose. Enfin, c'est quelque chose que je vois souvent sur le forum. Vas-y, envoie-moi ton texte, je l'imprimerai parce que là, c'est trop long, c'est trop grand pour que je lise sur Internet. Il y a ce plaisir de la lecture papier que j'aimerais bien que des gens qui aiment me lire puissent l'avoir. Sinon, le reste, sinon, voilà, c'est tout. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non. D'accord. Alors, on va dire au revoir. Salut. Merci.